Et yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Satisfactory. Alors... Déjà, pour commencer, on a fait quelques petites modifications, enfin, je fais une très légère modification. Au niveau du pétrole. Au niveau de la production de pétrole. J'ai mis des accus. Donc j'ai mis les accumulateurs. Pour en théorie lisser la production. Mais j'ai vu que même sans les accumulateurs, ma production avait fini par se lisser. Voilà, on peut voir que c'est assez lisse. La conso varie de temps en temps. Ça doit être une très légère variante entre consommation et production à un moment de pétrole, ça doit, ou peut-être de charbon aussi, il y a peut-être un petit truc comme ça à un moment qui varie. Donc il y a une très légère fluctuation, mais rien de méchant. Et s'il y a fluctuation, là j'ai de quoi... Donc j'ai mis 5 accus, et les accus vont pouvoir gérer cette petite fluctuation jusqu'à 1,5 giga. Voilà, chaque accu c'est 100 mégas, donc x5, 1,5 giga. Et je pense que je devrais pas avoir de soucis, du moins maintenant. Ce qui sera intéressant de voir, ça sera quand on aura la géothermie. Faudra voir si on a les mêmes soucis. Ensuite, grâce au dernier bâtiment qu'on a débloqué, on a débloqué certaines recettes que sont les ordinateurs, les cadres modulaires. Bon, les moteurs modulaires et les unités de contrôle adaptatif, ça on verra plus tard, c'est pas un souci, on verra ça beaucoup plus tard. Et il va falloir les... Pardon, va falloir les produire. Donc les façonneuses qui nous demandent... Ouais, au niveau des ressources, pas grand chose de bien méchant. Et... Surtout, et là ça va être un peu plus embêtant, c'est que... j'ai débloqué ordinateur, j'ai débloqué circuit imprimé, mais quand? Bon. Ouais, j'ai pas souvenir, mais c'est pas très grave. Donc, circuit imprimé, non, on va faire dans l'ordre. Circuit imprimé, j'ai besoin de plastique, cadre modulaire. J'ai besoin de tout ce qui est acier, technologie d'acierie. Et ordinateur, qui me demande également du plastique. Donc, va falloir trouver déjà, pour faire nos cadres modulaires lourds, il va falloir retrouver du charbon. Charbon, fer et il me semble qu'il me faut du béton. Il me faut du il me faut ça pour tremper en main, donc il me faut du béton, ouais. Donc il va falloir que je trouve un endroit où il y a tout ça, donc il va falloir aller explorer. Donc je pense qu'on va faire un peu d'exploration là. Oh, je suis bien bloqué. Et essayer d'aller choper un endroit du charbon qui n'est pas pas utilisé. J'ai de la munition, j'ai pas tant de munition. Ah tiens, là-bas, pas 1,2 km, la vache. Il est pas temporaire, lui. Pureté normale. Ah, il est pas si loin là-bas. Ok. Donc on va voir un peu ce qu'on a dans le coin. Pureté normale, c'est pas un problème en soi, je m'en fous un peu. Ce qui va falloir certes du charbon, mais pas non plus de tonnes, quoi. Hop, je veux juste récupérer un peu de munitions. Ouais, je vais peut-être trop piqué quelques barres de fer avant d'aller à l'exploration. Voilà. Une centaine de munitions, on va dire, ça devra le faire. On sera pas très loin d'un endroit
froid dans lequel on est déjà passé. On sera pas très très loin de notre production d'électricité, qui était principale, qui est devenue secondaire avec la avec le pétrole. D'ailleurs, quand j'arriverai à l'uranium, à mon avis, je vais pas avoir besoin de garder la production de charbon, peut-être même pas de comment ça s'appelle, peut-être même pas de pétrole, donc à voir. Ça consomme beaucoup d'eau, je suppose. Mais là, de l'eau, pardon, de l'eau en fonction de l'emplacement, c'est pas vraiment un souci. Donc ça fera plus de charbon à utiliser si par exemple on a besoin d'acier. Hop là. Donc allons trouver ce charbon. Il faudra bien évidemment que je trouve du fer et du béton. Pas très loin. Il était par là-bas. Hein. Ok, il est à 500 mètres. Ouais. On va partir par l'autre sens, par l'autre côté. Alors. Bah alors, il voulait plus courir. Hop, 700, 500. Ouais, on allait là-bas. Dans tous les cas, ça risque d'être sur les hauteurs, donc tant qu'à faire. Ah. On va zouper. Il y a une prod de quoi au milieu? Ah oui, je crois que c'est les nouveaux trucs là, un peu chelou là, je sais pas trop ce que c'est. Oh non, plutôt par contre. Pars pour m'embêter, j'ai vu que tu voulais passer, juste pour m'enquiquiner, pour parler poliment. Yep, yep. Hein? Vous l'avez vu passer le sanglier là? Au couillon, il essaie de me charger, il s'est foiré et... Hop. Encore refaire une charge foireuse ou il a réussi peut-être. Bon, il a réussi mais. Allez viens. Ah t'es couillonné hein, quand je suis en l'air. Hein. Allez ça dégage. Tout ça pour ça. Hein. Alors est-ce que je vais avoir besoin de monter? Parce que là si j'ai besoin de monter, peut-être falloir que je monte. Ça dégage. Voilà. Donc pour monter, il va falloir monter, comme je disais. On va reculer un peu, je pense que. J'ai vérifié si j'avais pas fait une bêtise, ça va, j'ai pas fait de bêtise. C'est un enregistrement juste qui s'affiche pas quoi, c'est pas très grave. Ah. Hein? Ah non, ils m'ont vié là. Oh, j'aime pas ça. Lui en plus je crois qu'il fait, il fait mal, hein. Lui c'est papa lui, costaud. Lui. Papa content. Hein.
Ah, c'est bon. Voilà. Donc on peut voir que le charbon là est juste là en plein dedans. Donc je vais avoir besoin de nobélisque. On va avoir besoin de nobélisque. Attends. Non. C'est pas ça. Minerai de fer. Hein. La question c'est ce qu'il y a du fer dans le coin. Non, vraiment? Non. Ah, il est si loin que ça le fer. C'est peut-être parce que j'ai pas exploré. Ah, je pense qu'il y a plus de fer que ça. Hein. Et le calcaire. On va encore descendre. Ouais, c'est beaucoup trop loin. Non, il y a... calcaire, il est pas si loin que ça. Je refuse d'y croire. Je refuse catégoriquement d'y croire. Et j'explorerai un peu plus les hauteurs. Si ça se trouve. Il y en aura beaucoup encore, c'est bon. Il va falloir faire de l'exploration pour récupérer les disques durs, avoir les recettes alternatives. Ah ouais, j'avais fait ça moi. Ah, j'avais zappé, tiens. J'avais fait un truc sur l'étage. Bah tant mieux. Parce que si vous voulez chercher le calcaire qui est en bas là-bas. Bah, voilà, ça m'arrange pas. Ah oui, on va chercher quelques nobélisques. À mon avis, je vais y aller avec une foreuse MK2. Comme ça, j'aurai 400. J'aurai 200. 240. Normal, c'est combien? Normal, c'est 60. Ah, oh, je les ai bu. Ah, normal, c'est 60. Bon, j'aurai. Enfin, j'aurai pas mal de charbon. Un truc à aller récupérer, là, je crois. Hop là. Nobélisque, comment que ça se craft ça? Ça c'est la bonne question. Bah écoute. On va faire 25, ça devrait être bon. Ça. Voyons voir. Qu'est-ce qu'il faut pour de la MK2? Ok. Juste des foreuses portables. Et comme on aura calcaire, fer et charbon, il va en falloir 6. Ah, ça se stocke maintenant les foreuses portables. Oh. Ah, je crois que ça se stockait pas avant. Ah, c'est vraiment la bonne nouvelle ça. Ah, c'est tout con, mais c'est agréable. Hop là. Voilà. Et on va prendre quelques plaques de fer. On va prendre du câble, je vois que j'ai plus de câble. Pourquoi prendre quelques câbles? Et peut-être aussi de quoi faire. Du fil et du câble dans l'air. Et mince. Ah oui, de quoi faire un hypertube. C'est pas que c'est loin, mais si on peut raccourcir les temps de trajet, on va pas dire non. Hein.
suis en train de me dire également qu'il y a un truc que je voudrais vraiment faire, que ça va m'énerver si je les fais pas, c'est bah attendez, c'est quoi le délire? Quartz. Il faut juste de la silice. Coup 20 quartz brut et 50 silice. Je vais débloquer les décathlons manuellement. On va pas s'en kikiner, franchement. Je crois pas que j'ai assez de quartz par contre. On va débloquer ça de suite, le quartz brut là. Je sais pas si on a dans le coin du quartz brut. Sérieux à ce point là? Ouais, vraiment, vraiment là où. Ah là, là-bas, on a notre. Ça doit pas être loin de notre prod de. D'acier. On va aller jeter un œil. Donc, allez jeter un œil au truc d'acier. On va débloquer les décathlons, ce qui va faire qu'on va plus vite. Et je voulais voir ouais, si aussi en partant on pouvait faire de l'hypertube. Ouais. Oui, c'est bon. Donc, on va aller choper décathlon et hypertube. Un coup de recherche. Si ça se trouve, je vais plus vite que ma recherche. Mmh. 600 mètres. Ah, oh, ça va être. Ah, si, ça va pas être si loin. Hein. 200, là, il y en a une qui est juste là. Il y en a une qui est par là. Ok, très bien. On va aller chercher ça. On va chercher de quoi faire notre silice là. Je suis allé souvent ici. Hein. Pardon. 85 mètres. Et là d'un coup il. Waouh, oui, un petit souci avec. D'accord. Bon. Il y a un petit souci avec un résultat, je crois. Pas terrible, c'est dommage. Alors, à moins que le quartz. Bah si. Hein, quoi. Se passe quoi? Ah, regardez ça, je vois pas le poison. C'est un truc de poison, je crois, et je le vois pas. Oh, c'est pas cool. Bon. On va redévier. Je vois pas du tout de poison. Hein. C'est un peu buggé. Et même là, j'ai l'impression que je vois pas de. Mais c'est dingue! Encore. Ah, j'ai pas le droit de le voir le quartz, c'est ça. Il y a un cuir. Ouais, il y a un problème avec le. Avec le quartz, c'est bugué. C'est totalement bugué. Bah. Pur. Ok, je sais. C'est dans des grottes. Je crois que c'est dans les grottes qu'on a explorées. Oh la vache, je suis dégoûté.
Et là, pour trouver l'entrée des grottes, ça va encore être... ça va pas être une mince affaire. Bon bah c'est par là. Allons-y, let's go, recherchons ces petites grottes. Je me dis que s'il doit y avoir l'entrée des grottes, ça doit être par là. Ouais, pour ça on va... Oula! Pratique ça. Ouais, j'adore. C'est pas prévu ça, je l'ai pas vu venir honnêtement le machin. Je sais pas d'où ce qui vient mais... Pourquoi pas. Je crois qu'on pouvait accéder dans les grottes à partir de la côte. Après, où sur la côte, je ne sais pas. Normalement, là, on est censé se casser les pieds, mais grâce au réacteur dorsaux, on peut se prendre 50G, c'est pas un problème. C'est pas là l'entrée de la grotte? Non. Ah, je crois qu'il y en a une sortie ou une entrée là par là-bas. Parce qu'en sortant, on était allé explorer le vaisseau. Ouais, d'accord, ouais. Ouais, ça repoussait par contre les mobs ça repousse hein, comme du chien dans ça. Terrible ça. C'est comme les moules les mobs, hein. ça pousse de partout et ça se fout sur les coques de bateau. Non c'est pas ça. Ah, j'étais persuadé d'avoir me souvenir d'une sortie dans le coin. Ah c'est peut-être là. Yes, ça a l'air. Oui. Ah oui, avec de la flotte là où on ne voit pas, c'est ça. Ouais, voilà, bingo. Un souvenir. Ça date de quand même quelques jours. Oh merde, les araignées. Ah, c'est dingue ça. Ouais. Ouais. Parce qu'il y avait un obstacle quoi. Bon voilà. Il vient d'essivouloser maintenant. Oh, c'est pas vrai, j'en ai revu là. Ça s'arrête pile. Pas 300 mètres, ah la vache, c'est quand même profond ces grottes. Hein. Non, dedans. Bon, j'ai jamais été mon FPS. Pas aujourd'hui que je le serai. Encore? Ouais, c'est bon, les araignées là, stop. Ah putain, j'ai cru que j'avais plus de munitions. Bon, ils se sont attaqués les unes l'autre là. Allez, viens m'attaquer là. Ah. Un carnage. C'est bon? Truc, hein. Tant qu'à faire, hein, on s'est pas battu pour rien quoi, au bout d'un moment, c'est bon. On a 200 mètres, ça peut être très loin. Une rage peut-être meilleur avec ça. Hein. Voilà, bingo. Oh, regardez, vous avez vu ce que j'ai vu là-haut? Je sais pas si je peux l'atteindre par contre. Quartz brut pur. Et ça pour explorer grâce au décathlon ce sera beaucoup mieux. Par contre j'ai aucune idée de combien il m'en faut. Attendez, je sais pas mon kikiné. Hop. Attendez plusieurs. Voilà. Allez.
En tant qu'affaire, hein. Voilà. On va débarrasser de saloperie. Hein. Ouais. Oh, j'ai loupé. Vraiment pas bon. Hein. Allez, viens, 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 viens. Voilà. En ligne droite, je suis pas mauvais. Il s'agit de tirer tout droit, ça peut aller. Et alors, j'ai vu un truc là, par là. Je sais pas où exactement, je sais que c'est dans mon coin. Mais j'ai vu un truc intéressant là, il y a deux secondes. J'ai fait casser la binette là, c'est terrible ça. Bah c'était où? Alors là ça pue ça. Là je vais être à court de carburant. Ouais, je vais être à court de carburant et en plus sur un glitch. Allez, on est reparti. Ça glisse. Ah les trucs comme ça me saoule. Et là, par là, par où? Par. Merde. Putain. Je vais essayer un truc, mais. Ça... Oui, si, c'est bon. J'étais persuadé de pouvoir tenir là-dessus. Bien évidemment, non. Est-ce que je monte encore? Ici, oui. Et là? Non, vraiment, je le vois plus. Oh, je suis persuadé d'avoir une électrolimace violette. Terrible. Oh, je la vois. Non, je vous jure que je suis. J'étais pas fou, voilà, elle est là. Putain, par contre, allez chercher un truc comme ça, là. J'ai pas fait équilibrisme en. Non, c'est que du bleu. Oh. Franchement. Franchement, ça méritait au moins une jaune. Hein. C'est méchant. Attendez, tant qu'à faire, autant essayer de garder la hauteur et voir si on n'en a pas une autre dans le coin qui traîne, une électrolimace. Ah. Bon, une petite récompense, quoi, non? Ouais. Rien de rien, vraiment là. Bah, tout petit truc, gousi-gousi. Une limacette, c'est une petite limace. Une limacette et puis c'est tout. Oh, j'en ai vu une. Bon, celle-là est pas violette, hein, je crois, elle est bien blanche. Hein. Elle est bleue, mais. Bleu transparente comme de l'eau de roche, le machin. Bleu de nom, quoi, c'est. On va purée, chercher mes foros pendant un moment. Je me suis dit. Menace. Oh! Ah voilà, ça nous en fera 3 les électrolimaces là. J'ai failli parler trop vite, j'ai failli m'éclater la tronche. On ramasse la foreuse, on... Et merde, je crois que je vais avoir un peu trop de quartz sur moi. Ouais, petit... Oui, bah je suis encore parti avec la moitié de mon inventaire plein, quoi. Ça dégage, je... Bon, je récupère tout. Voilà, et si un jour...
Je passe là, bah écoute, je récupérais ça. On est où? Une sortie par là? Bah, ça me plairait d'avoir une sortie. Ah non, je suis obligé de passer pour le même. J'allais me dire, attends, mais là, si je construis les décathlons. Mais oui, mais non, parce que je suis obligé de passer par le même pour faire une recherche. C'est quand même ballot, ça. Bon, bah, ce sera épisode. Aller chercher ce qu'il faut pour faire les décathlons, quoi. Oh, oh putain, oh la vache. Ouais, c'est bon, dégagez. Non, mais il y a une colonie entière là, à Ilou, à Aragog, là. C'est bon. Oh merde. Putain. J'ai même pas à me concentrer tellement il y en a que je peux tirer dans le tas, c'est bon quoi. Voilà, c'est bon. Le tas il a été réduit là. Alors on va juste regarder la map. Regardez, on repart du bon côté. Allez hop. Pardon, j'ai loupé ça. Voilà. Rien à foutre des cadavres. Bon là lui il est pas loin donc je le prends mais sinon c'est bon. C'est une dinguerie quand même. Hein. J'ai bien fait de refaire des munitions en partant parce que j'en ai pas eu assez. Ah y'a une... Je l'ai entendu, je l'ai pas vu, hein. Je l'ai entendu, hein. Vraiment, promets de vrai. Et j'ai pas le son du jeu qui est fort. Ah non, non vraiment il y a une grotte là. Oh, mais non! Je l'ai même pas vu. J'ai passé combien de temps à construire des trucs? J'ai même des trucs par-dessus! Mais oui! J'ai construit par-dessus la grotte, j'ai rien capté. Bah écoute. Bon bah écoute, le retour se fera plus rapidement que l'aller, je pense. Hein. J'espère. Explorer tranquillou en plus. Yahoo! J'espère que j'en ai pris assez. Ouais, je devrais en avoir assez. Franchement, 52 silice. Silica recipe unlocked. New quartz research available. Oui. Bah. Pourquoi je peux pas fabriquer? Ah l'inventaire. Tiens, je peux y mettre ça aussi. 8 plus 6. Un peu long à faire lui. Bon, il en faut 50, ça va aller vite. 5 par 5. Je vais débloquer les cristaux de quartz aussi pendant qu'on y est. Tac. La silice. C'est bon, c'est quoi ça? Ouah, 6 emplacements d'inventaire. Ah ouais. Oh ben, il me faut. Merde. Blade Runners unlocked. Equipped to run faster, jump with greater force, and decrease fall damage that might otherwise have lowered your value to fix it. Ok, il me faut... Research completed. 200, quartz crystal 226. Recipe unlocked. New quartz research available. On va les faire. Ça va être un peu plus long là. Ça va être un peu plus long. Mais je vais avoir mes décathlons, on va pouvoir ajouter en plus 6 emplacements à l'inventaire, ça sera mon coup. Non, ça va pas ajouter de construction. Je voulais voir si on avait débloqué des choses constructives. Mais non. Rien gagné en construction, sniffeux.
Montrions tout ce bazar. Pareil, là, si le quartz là que j'ai en trop, qu'est-ce que j'en vais en foutre? Faudrait une sorte de truc poubelle, mais. Là, c'est. J'ai un coffre en mode poubelle, mais poubelle précieuse, tu vois. C'est celui qui est là dans le. C'est celui-là, là. Faudrait un autre coffre poubelle, mais pas précieuse. Ah bah, écoute, ça a l'air d'être celui-là, poubelle pas précieuse. Allez, ça dégage. Hop, tac, 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 on récupère quelques-uns, ça me fait de la place. On trie, on augmente la taille de notre inventaire. Ah, c'est bien ça. Pocket dimension now extra dimensionalized with additional dimensional capacity. On a des décathlons. Et là. Non, je vous fais une feinte, c'est que j'étais à la marche. On va clairement plus haut, on va clairement plus vite. Ah, y a pas photo. Ah oui, tellement plus haut que je passe par-dessus ça maintenant. Youhou ! Bon là j'ai un peu volé aussi sur la fin, j'ai un peu triché possiblement. Mais voilà. On se prend des dégâts si rapidement. C'est marrant, c'est pas la. C'est pas le souvenir que j'avais. Y'a des décathlons améliorés ou quoi dans le monde, ça... Ok. J'ai les nobelisques. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer le terrain pour le prochain épisode. C'est le cas de le dire. Je vais. Non, ça va, c'est pas un méchant. Je vais. Je vais t'écraser, tiens, non, on est gentil avec la faune et la flore. J'ai préparé le terrain pour le prochain épisode, ramener au même endroit. C'est quoi qu'il nous faut déjà? Charbon, fer, béton, voilà, on est arrivé, pour faire nos... pour préparer nos cadres modulaires lourds. J'imprime les 62 bons. Ce qui tourne en fait, c'est le pétrole qui tourne. On va débloquer des choses. Tiens, histoire de repartir. Ah, ça on l'avait pas. Ça aurait pu nous servir le papagni. Bon, tout ça. Pas d'air à la rigueur. Panneau de contrôle de lumière, ça peut servir. Ça, je m'en fous. Customiseur. Voilà, c'est cool. On va débloquer ça, écoute. C'est cher pour ce que c'est. Hein. Des marques au sol. Hop, on va acheter. Allez, là. Where did you leave your lizard doggos? What's in this storage container? Where did you put the essential components needed to save humanity? Do you wish there was text to prevent you from constantly taking the wrong turn? Disguise your struggles to comprehend the complexity of your surroundings with signs. Voilà. Allez, cette fois, je vous dis. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode, surtout, et j'espère qu'il vous aura plu. Et je vous propose de me retrouver très bientôt pour le prochain. Allez, c'était Tiob. Ciao.